Salut à tous, c'est Skamagic, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super. Ben voilà, je vais reprendre ma chaîne. Car j'ai vu qu'à beaucoup de joueurs, je manquais. D'autres, non. Ben, je me soucie pas des gens. Je fais ça pour moi. Je suis accompagné de mon frère aujourd'hui pour commenter sur Devil May Cry Definitive Edition sur PS4. Vous pouvez Salut aller. à tous. Excuse-moi de t'avoir coupé. Vous pouvez aller voir sur le Play Store, c'est 12 € pour le moment. Bah, c'est une édition remasterisée tout simplement de la PS3. Salut à tous. Bon, tu me dis c'est quoi le truc Nephilim là? Je suis en train de chercher en fait. Alors, la stat. Non, plus d'un. Attends, je pense que. Simplement la métamorphose du potentiel caché de Dante. Ou Dante. plus général. C'est pas grave. Dante ou Dante, hein, c'est le même. Hein. D'accord, mais moi je l'ai fini en mortel. Mais Nephilim, il est là. Ben voilà, c'est une Ils disent toutes difficulté. les missions Nephilim. Ah ouais, donc il faut que je le fasse en Nephilim. Et en mode cauchemar. En fait, t'es con. Donc j'en fait le mode cauchemar et je mets le Nephilim. Ok. Ouais, car j'ai déjà fini le jeu. Donc voilà. Ouais. Ouais, je vais vous montrer les améliorations. Voilà les améliorations. Quasi fini aussi. C'est juste pour avoir l'objectif, finir le jeu à 100% et avoir le trophée platine. Car sinon je me casserai pas la tête à recommencer, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. En gros, tu l'as très hard, quoi. Je l'ai fini, ouais, une fois. Voilà, normalement j'ai changé de costume car normalement il est comme ça. Mais moi je le trouve plus stylé comme dans les anciens Devil May Cry. D'ailleurs, c'est celui-là. Ouais, on est d'accord, c'est celui-là. C'est quoi que j'allais faire? Ah ouais, vite améliorer. Ce que j'ai amélioré, j'ai 3 points. 1, 2 et 3. Voilà, il me reste plus que l'Aquila, les Ebony Avery, Revenant et Kaboom. Et je lance. J'ai déjà récupéré toutes les âmes, les clés, les portes. Donc voilà. Ouais, tu peux Je ferai aller. peut-être une. Je ferai peut-être sur un autre compte pour voir où ce qui sont les âmes et les clés. Pour les joueurs qui galèrent à les trouver. Mais généralement ils sont pas durs à trouver vu qu'ils ont un petit bruit. Bon. Je me tais. Depuis des millénaires, les démons étendent leur pouvoir. Ils sont sur le point de contrôler toute l'humanité. Citoyens, nous nous sommes tous laissés bercer d'illusions pendant trop longtemps. Il faut se réveiller. Le fanatique masqué que vous venez de voir prétend représenter l'ordre. L'organisation ayant revendiqué plusieurs attentats graves au cours des dernières semaines. De toute évidence, c'est un traître et un terroriste. Étant opposé à la peine de mort, je ne vois qu'une façon de régler ce problème. Abattre discrètement ce fils de pute. Ici, au calme, il insulte. Vite, sors de là, t'es en danger! Mettre quelque chose, c'est trop dur. T'as été négligent. T'as laissé une trace. Et il en a après toi. Quoi? Qui en a après moi? Il s'agit d'un limier. Il est là. Surprise. Il sort en mode surprise, motherfucker. C'est quatre tours, hein. Merde, je suis dans les larmes. Je crois qu'il y en a qui vont être perdus, je vais vous expliquer. Vous ne mettrez pas s'habiller par contre. Je pense pas.
Moi aussi je fais ça tout le temps. Raté. J'espère que vous entendez bien. Bon, voilà. Donc, je disais. Voilà. Donc, je disais, Dante en fait est prisonnier entre deux mondes. Il est dans le mode. Il est dans le mode. Il est dans le mode des larmes. Et le monde des mortels. Le monde des mortels. Il est sur la terre ferme. Et quand les décors sont comme ça, c'est que vous êtes prisonnier des larmes. Je sais pas si vous avez joué aux anciens de Metroid. Mais Ange est un Ange. Oh putain, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Dante et Mianche Midena. Sa mère a été une hanche. C'est pour ça que vous avez les armes ici de catégorie hanche. Et les moitiés démons par son père. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Bien vu. Yes, terrible. Toi t'as baisé. J'ai chopé un mort certain. Bonnie, Ivory, vous m'avez manqué. Mais voilà, t'es ici, t'es pas prêt. Quoi, c'est limité. De quoi m'entraîner. Timing parfait. Voilà, donc je vais faire le jeu en plusieurs sessions, je pense. Je pense que je vais faire un stream par niveau, je pense. Maintenant, voilà, si je vois que le niveau est assez cool, je vais peut-être en faire deux en même temps. Pas plus simple, je pense. Et ne vous inquiétez pas, hein, je ne lâche pas les deux fois, parce que voilà, pour le moment, j'ai pas eu le temps. Voilà, tout simplement. Je ne fais pas la raison. C'est assez personnel. C'est le 22 juillet, je ne serai pas fini non plus. Le 22 et le 14 juillet. Le 14, je vais me marier. Et le 22, ben, c'est le baptême de mon fils. Donc voilà. Je ferai un maximum de vidéos pour vous divertir au mieux. Je suis dans le monde réel et toi dans les limbes. Comment ça se fait que je te vois? Je suis une médium, une voyante. Ce qui fait que je peux communiquer. Voilà, vous voyez, avec c'est toi. Comme je vous expliquais. Même si tu me vois, je suis pas vraiment. Elle est dans le monde des vivants, de l'air normal. Enfin, le monde normal, aidante et dans les limbes. Là, je risque ma vie pour toi. Et toi, t'es dans quoi? Dans ton cul? Moi, je suis chez moi, sur ma chaise, en stream. Oh là là, c'est vrai? Ouais. Je sais comment sortir, c'est pas ma première fois. Il suffit de combattre cette saloperie de démon. Suis-moi, vite. Elle est enfin où? Voilà, sinon, quoi de neuf? Qui, eux ou moi? Toi, hein. Oh. Bah, comment veux-tu qu'ils me répondent? Par commentaire. Par commentaire, ouais, n'hésitez pas à dire comment vous allez. Si vous vous sentez en forme.
Ah, si ça vous stresse pas trop l'arrivée de tes gamins. Moi ça va. C'est cas pour ma part. Ouais, ça va. Ouais, nickel. En tout cas pour ma part, pas trop stressé des gamins parce que je suis fait de l'école. Bah moi c'est pas stressé non plus du tout. Vraiment pas du tout. Ça va aller. Ça va pas très bien. Je vais essayer de faire les examens aussi. 4 plus 4, ouais, merci. Bon, s'il y a des Français qui nous regardent. Bonne merde. Bonne merde, beaucoup de soutien. Ah, pour nos petits belges aussi, hein. Bonne merde aussi à vous. Surtout pour les étudiants, en tout cas. What the... Ah, je me disais aussi. Ça, c'est ça. Sinon, ouais, c'est ok. Tu sais, tu pourras me laisser parler aussi, c'est très bien. C'est mon manteau ? Ouais, c'est une arrière. Ouais. Et un spinner géant, hein. Ça pour ton manteau. Mortel. Au pire, c'est pas ta rachetée, non ? Je sais pas. Flash info. Nous sommes c'est en dingue, direct hein. De notre hélicoptère. Steve, ouais, excuse-moi, je parce que si yeux tu dis encore dans une tête, tu vas me dire. Ben quoi ? Les enceintes de Lunécret étaient en anglais. On va pas les avoir en français, c'est tout de suite français. Ouais, dans la version anglaise, tu dis une bonne tête. Ben tu vois. Bon. Bah là c'est version française donc du coup bah c'est pas Dante c'est Dante. C'est vrai je trouve que le nom plus stylé Dante mais... ça fait un petit côté latin. Non en fait je vais vite passer sur mon menu PSN parce que j'ai des choses à vous montrer mais je pense que je vais prendre une vidéo. Je pense que ça vous fera plaisir, en tout cas moi, pour moi ça me fait plaisir. Pour frère aussi. Je crois que je vais pas vous gâcher le suspense plus longtemps. Ok? Ok? Ok, par favor? Donc je disais, je vais pas. Non, mais tu peux marcher aussi. Non? Ah, ok. Bon, tu as usé le quart de ma vie. Papa. Non, je suis pas malade. C'est une toux chronique à cause de la cigarette. T'as qu'à arrêter de fumer. Pas bon de fumer. Dégage. Oh merde. Donc je vais pas vous gâcher le suspense plus longtemps. J'ai fait quelques achats sur PSN. J'ai précommandé des jeux. Uniquement pour vous et pour moi. Car voilà, ça me fait plaisir aussi. 3 licences qui... On doit avouer fait plaisir. Toi t'es pas au courant de ce que j'ai acheté. Non. Non, je pense que t'auras un petit jeu. J'ai précommandé Call of WW2. J'ai précommandé la trilogie Crash Bandicoot de PS1. On va réaliser. Et j'ai précommandé, alors là, c'est vraiment le coup de cœur. Bon je dis pas que Call of c'est pas mon coup de cœur, mais Crash non plus. Mais là c'est vraiment mon coup de cœur, j'ai précommandé le prochain Uncharted. Où est les deux? Ouais, Lost Legacy. Bah... Je ferai des vidéos directement dessus en test, mais je vais même pas commencer le jeu solo quoi. Je vais même pas m'y mettre et après le présenter quand je l'ai fini. Non, c'est directement qui sort à sa sortie. Enfin, je vais précommander, mais je veux dire directement qui sort. Que le téléchargement est fini, je mets en stream et je filme. Directement, le premier niveau, pas le film. Ouais, c'est ça. J'ai envie de découvrir ça avec vous, et voilà, ça me fait plaisir. Ah, ça, tu l'as pas évité, toi, hein? Ah, ça. On dirait des petits quoi, tu vois le robot dans Star Wars? Lequel? Le robot en or, ça. C'est 3PO, hein, tu sais. Ouais, c'est 3PO. Je sais pas
pas un fan de Star Wars non plus. Bah moi non plus. Ouais, je les ai jamais regardés. C'est même pas dire si je serais fan ou pas, c'est que je les ai jamais regardés. C'est... Bah chacun son opinion, mais pour moi, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, j'aime bien même. Moi, je n'ai pas trop mon genre de film. C'est des films d'horreur, film gore. Ouais. Encore plus loin, non? Je passe. Ouais. Là, tu peux prendre des gaz de là. Ok. Et voilà. Où est les nègres? Avec les cheveux blancs. Je vais t'expliquer après. Le cinématique. Y a une faille plus loin. Alors. Quoi? J'ai mis pause. Ouais, vas-y, prends une clope, hein, laisse. Je vais vite t'expliquer. Bon, on va faire un débat, merci. On va faire un petit débat, vite fait. Pour vous. Devil May Cry, elle est combien? 4 à 5 Devil May Cry, en fait. Je t'explique. Pour toi, vous pouvez marquer en commentaire pour vous lequel est le meilleur. Si vous avez un Devil May Cry en particulier, je l'explique vite à mon frère car il est pas au courant. Il a jamais joué à un seul de Devil May Cry. Que je reproche pas parce que voilà. C'est bon, les paquets, mais c'est pas ce que je fais. Hein. Il y a 5 Devil May Cry. Il y a Devil May Cry 1, 2, 3 qui se passe avec Dante. Il y a Devil May Cry 4 avec Leon, où tu rencontres Dante aussi. Car Neo essaie de tuer Dante. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais jamais plus moi-même. Donc voilà. Moi aussi. Et puis il y a celui-là qui est le 5. Pour moi, celui-là, c'est le premier Devil May Cry. T'entends. Sans lui demander pourquoi, c'est simple. Dans les autres Devil May Cry, tu vois, dans Devil May Cry 1, 2, 3, qui se passait sur PS2, si je dis pas de conneries, ouais, PS2. Ouh, combat. Eh ben, t'avais les cheveux blancs. Ok. Toi, t'es sur celui-là, non, tu ne les as pas. Et c'est juste ça le petit détail qui fait penser que celui-là, c'est le tout premier Devil May Cry. Car, il dit, quand il a la perruque de cheveux blancs sur sa tête, il dit jamais de la vie. Or que dans les Devil May Cry 1, 2, 3, et il a la perruque sur le corps, et enfin, c'est pas une perruque, c'est vraiment ses cheveux. Tout blanc. Ok. Et il dit jamais de la vie, mais je vous montre. Voilà, quand il nous transforme en mode démon. Enfin, en mode... Ouais, ben, les cheveux, ils deviennent blancs. Tandis que dans les autres Devil May Cry, il a appris à contrôler sa colère. C'est ce qui fait qu'il a les cheveux blancs. Attends, non mais... Ça fait mal. Ah, c'est bon. Ouais, c'est juste ça. Donc, n'hésitez pas à faire un petit débat. Lequel est le meilleur? Si oui, si j'ai raison, si j'ai tort. Non, je ne dirai pas quand j'ai raison. Redescends ici. Hop, bon, voilà. Chacun ses avis personnels. Jamais mal, un putain de démon! Je vais prendre les boss. La fête est finie. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. C'est ce qu'on devrait faire aux gens qui nous traitent de fils de pute dans la rue. Ouais. Ma mère. Je me souviens à peine d'elle. Thank you.
va, Dante? Comment tu connais mon nom? Mon boss te connaît. Il veut te rencontrer. S'il te plaît. Je t'ai tiré d'affaire, non? Ouais, mais je t'avais rien demandé. On sait tout de toi, Dante. Mon organisation s'appelle l'Ordre. Tu connais? Un rapport avec le taré masqué d'Internet? C'est mon boss. Génial. J'ai hâte. Nous recevons à l'instant où je vous parle la nouvelle d'une attaque terroriste sur le quai de Bellevue, dans le quartier ouest de la ville. La police demande à tous les habitants de rester vigilants. De nouveaux attentats pouvant avoir lieu n'importe où, à tout moment, lorsqu'on s'y attend le moins. Nous t'avons repéré, fils de Sparda. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ah bah coucou Liam. C'est bien, tu m'as laissé faire mon stream aujourd'hui. Bah voilà, c'est déjà la fin de cette partie, j'espère que ça vous a plu. Maintenant je vais passer vite sur mon menu. Je vais vous montrer tout ça, ouais, c'est bien, c'est bien. Ouh. Ok. Menu principal, voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me demander la suite.